Nang Studio. Nang Studio. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Soubon. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo. Et si vous voulez faire des dons, si vous voulez faire des dons à Nyan Soubon pour soutenir Nyan Soubon, vous pouvez faire des dons en dessous de cette vidéo via PayPal et Western Union. Merci les amis pour vos dons d'avance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Waouh! Mes frères et sœurs, merci de regarder cette vidéo. Ce dont nous allons vous parler ici, là, c'est un truc qui concerne tout le monde. Vous-même, vous aurez certainement quelque chose à dire. Si vous avez quelque chose à dire, réagissez dans la partie commentaire. On vous attend. On vous attend! N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez été touché ou vous êtes d'accord. Si vous dislikez, non, on ne dislike pas ici. Vous descendez dans la partie commentaire et vous nous dites clairement ce que vous pensez. Voilà, c'est là. Hey! Mes frères et sœurs, un serviteur de Dieu là, c'est qui? Un homme de Dieu là, qui c'est? C'est qu'un représentant de Dieu, c'est quelqu'un par qui, c'est-à-dire, par qui Dieu passe pour bénir quelqu'un ou pour parler à quelqu'un. Ça veut dire qu'un vrai serviteur de Dieu, là, en général, c'est quelqu'un qui a la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui rentre dans une chambre, par exemple, et qui rencontre Dieu, qui reçoit des messages divins. Pas pour lui-même seulement, mais pour les partager, pour livrer ces messages-là à tout le monde. Maintenant, Dieu, il est tellement bon qu'il est capable même de donner à un homme de Dieu le pouvoir de faire quoi? Des miracles. Et cet homme de Dieu-là peut se mettre à faire beaucoup de miracles. Le meilleur homme de Dieu que moi j'ai connu, là, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, ils ont tout dit sur lui. Ils ont raconté tout sur lui. Mais il y a une seule chose que personne ne peut ignorer, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles. Il a même ressuscité des morts. Quoi? Comment est-ce possible? Donc on peut ressusciter des morts. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a fait. C'est pourquoi on l'adore. Il a tellement fait de grands miracles qu'il a décidé lui-même de se donner en sacrifice. Son sang même qui est versé là, coule sur nous tous les jours. Et quand vous priez et vous dites, oh mon Dieu, je suis un pécheur, pardonne-moi mes péchés, purifie-moi par ton sang. Dieu exauce vos prières. Et les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait là, a impressionné tout le monde, même Satan lui-même. Au point où il a décidé d'amener dans ce monde des hommes de Dieu faux, que moi-même j'appelle aujourd'hui des hommes de Dieu after effect. Hey! Qu'est-ce que c'est after effect là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que Adobe after effect? Adobe After Effects, c'est tout simplement un logiciel de montage vidéo très puissant. L'un des logiciels de montage vidéo très puissant. En général, les logiciels de montage vidéo, on l'utilise pour faire des films de science-fiction. Vous voyez un peu des films de science-fiction où les gens apparaissent et disparaissent là. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire, on peut tout faire apparaître dans le film avec ce logiciel là. Tout ce que vous voulez, même tout de suite là. Et regardez, il suffit seulement que je vous dise que je vais faire un truc tout de suite, là, je vais disparaître. Je peux le faire. Bon, je vais voir. On verra. Ok, nous allons jeter un coup d'œil.
Ok, je vais regarder un peu. Voici les gens, regardez la vidéo que tu as suivie. Nang Studio. Nang Studio. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Là, je marchais tout doucement. Et un coup, j'ai apparu. J'ai disparu. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est ça de ce dont nous, je suis en train de vous parler. C'est ce dont est capable celui-ci là. Et même plus que ça. Quand vous regardez par exemple Wonder Woman, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés dans les derniers trucs. Avec ce logiciel, on peut faire tout ça. Peu à peu, jamais les gens apparaissent dans les films de super-héros là. Où un peu derrière les gens font les pouvoirs là. Les gens sont devenus comme ça. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont devenus comme ça. C'est pourquoi moi je les appelle les hommes de Dieu After Effect. Hommes de Dieu After Effect, qu'est-ce que c'est? Vous allez le comprendre ici tout de suite. Quand le stage de Dieu a fait des miracles, eux aussi ils vont chercher des pouvoirs dans le monde des ténèbres pour venir faire des choses comme Jésus-Christ. Ah! Ils font des miracles, des malades sont guéris, mais ils utilisent leur pouvoir du monde des ténèbres. Il y a même des sorciers qui sont hommes de Dieu. Au niveau de pasteur After Effect, vous savez ce qu'ils font? Je vais vous le dire. Le pasteur After Effect là, ou encore le faux pasteur là, qui cherche à faire du genre comme des miracles pour tromper la vigilance des gens là. Vous savez ce qu'il fait? Assurément, ce que je vais vous dire va vous étonner. Il pose des actions devant tout le monde. Mais c'est un montage. C'est un montage. C'est planifié. Il peut par exemple venir comme ça dans l'église ou encore dans le peuple. Il va dire, toi qui es là-bas, une révélation sur toi. Tu t'appelles comme ça, maintenant. Tu as telle maladie, tu as telle ça. Et toi, avec la personne va te lever et dire, oh, comment tu sais? Ça là, ça peut arriver. C'est possible. Mais les pasteurs After Effect là, ce sont des menteurs. La personne qui l'a indexé là, connaît bien la personne. La personne aussi là, elle le connaît bien. Elle est deux fois un complot. Et tu vas voir, hein, que si c'est une femme là, elle peut faire semblant même de tomber sur une option comme ça. À l'église. Et toi le frère chrétien qui est dans ce lieu là en ce moment là, tu vas dire, ouh, Dieu est ici. Dieu a parlé. Tu es en train de parler. Ouh, Jésus est là. Mais comment ça se fait? Ouah, gloire à Jésus. Gloire à qui? Gloire à Satan. C'est Satan même qui est en train de louer comme ça, qui est en train de la gloire à Satan. Parce que lui il est là-bas et puis il rit. Parce qu'il s'est dit que vous avez vu. Le pasteur After Effect, ou encore le faux pasteur, il est là tout simplement en train de vous regarder et puis dire, ouais, vous avez vu. Aujourd'hui là, cette heure-ci là, il y a une vidéo même qui fait le tour du net en ce moment. Cherchez, vous allez trouver. On voit un homme de Dieu qui marche. C'est-à-dire descend de l'escalier. Vous allez voir, c'est tellement vous qui regardez là, qui êtes curieux là. Vous allez aller voir cette vidéo, ou bien peut-être vous-même vous avez déjà regardé, vu cette vidéo. Tu vois, le monsieur, il est en train de marcher. Il descend l'escalier. À un moment donné, où il doit mettre le dernier pas pour descendre là, il se suspend en l'air comme ça. Et puis vous voyez ses pieds, vous ne le voyez plus en entier. Hein. Vous voyez uniquement que ses pieds, ses jambes. Vous voyez sa chaussure, tout ça. Et toi, si tu es là, tu regardes, tu dis, Dieu est fort. Hein. Jésus, sauve ton peuple. Pasteur After Effect, c'est un menteur même qui est là devant toi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est facile.
Tu n'as pas besoin d'être fort même en montage vidéo. Il vient. Il y a déjà même certains complots. Ça veut dire que pendant qu'il descend de l'escalier là, il est filmé, non? Et celui qui se filme là, il sait qu'à un moment donné, il doit faire telle chose. Il sait qu'à un moment donné, il doit faire telle chose. Et il y a deux autres personnes qui sont déjà là, à côté. C'est comme si, quand vous démontrez cela là, même vous serez étonné. À un moment donné là, l'on doit descendre pour mettre son dernier pied là, ses derniers pas là pour descendre l'escalier là. Il y a deux personnes qui sont arrêtées sur des trucs un peu en hauteur, qui ont mis un fer. Et lui, il a attrapé le fer là. Ça le suspend. C'est-à-dire, il est suspendu en haut, dans l'air comme ça, en attrapant le fer. Et vous êtes là. Vous regardez le pied. Pourquoi? Parce que c'est le pied là qu'on filme en ce moment là, qui est juste suspendu. Mais c'est normal. S'il a attrapé le fer en haut comme ça, il a attrapé le fer. Et que le pied ne peut pas toucher le sol. Vous allez voir ça comme quoi? Comme s'il est suspendu, c'est normal. Et puis on ne le monte pas en entier. Vous allez dire, ah, il est trop suspendu. C'est pourquoi on ne monte pas tout son corps. Non, ça vient de Dieu. Hein? Frères et sœurs, ça, ce sont les pasteurs after effects. Ils font ça pour attirer le regard de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à faire comme Jésus-Christ. Parce qu'ils savent une chose. Ils savent une chose. Qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent que les miracles, ça attire le monde. Les gens aiment aujourd'hui les miracles, le feu de paille. Ils aiment qu'on leur dise de belles choses. Ils aiment qu'on les monte. Quand on te dit, tu seras béni. Alléluia. Mais si tu dis à la fille là, que tu es habillée de façon sexy, Dieu ne veut pas. Elle va t'écouter même. Elle va dire, de quoi parles-tu? Mais si tu lui tues tout de suite là, ma soeur, je veux t'avoir une révélation où Dieu lui-même m'a dit que comme ça, tu seras béni. Alléluia, homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle en toi. Moi-même, j'avais vu ça dans mon rêve. Vous aimez ça? Comme vous aimez ça, le diable lui-même va vous donner les choses que vous aimez. Et les pasteurs after effect là, ce sera facile pour eux de vous avoir. Ah, ce n'est pas tout. Encore un autre, le même, à l'église, il est venu devant un homme. Bonjour monsieur. Oui, bonjour homme de Dieu. Est-ce que je vous connais? Non. Est-ce que je connais votre enfant? Non. Mais je vais entrer dans le domaine spirituel tout de suite. Et je vais vous dire le nom de votre enfant. Je vais même vous montrer sa photo. Et il prend un iPad. Il prend le iPad là comme ça. Et il fait avec ses doigts là. Quand vous regardez le iPad là, de loin vous allez vous dire que waouh, c'est excellent. Il était de faire un miracle là-bas dans le iPad. Il a fait de la magie dans le iPad. Hein? Ou encore, non, tu n'as pas dit de la magie d'abord. Qu'est-ce que vous allez dire même? Vous allez dire, l'onction de Dieu de ses doigts est en train de toucher le iPad. C'est ce que tu as dit, mais c'est ce que tu as dit. Tu as l'église, tu aimes toujours parler d'onction là. Mais tu n'es pas qu'on te dise que le péché, la masturbation, c'est un péché parce que tu aimes ça là. Tu sais ce que tu as déjà dit ça. Hey! Mon frère, il a pris le iPad, ma soeur. Il a pris le iPad là comme ça. La photo là se trouvait dans la galerie. Hein. Quand tu zoomes, il y a un collègue youtubeur aussi qui a travaillé ce sujet là. Quand il a zoomé là, il regarde dans la galerie. C'est à dire, quand vous êtes dans la partie photo là, il y a dans les iPads en général, dans les iPads, il y a une petite photo juste à côté. Si tu peux voir la personne qu'elle a, la dernière photo, voilà la petite, la miniature qu'elle a là, où tu peux voir la dernière photo là, on voit clairement l'image de l'enfant dont il parle là. Et le monsieur fait du genre ce doigt et bouge ça comme ça en cachette. Hein. Il ne pas qu'on voit. Il bouge comme ça en cachette et il fait apparaître la photo. Et il dit aux gens, voici la photo de ton fils. Et j'ai pris la photo du domaine spirituel. C'est la photo de ton enfant. Est-ce que je te connaissais? Non, il la foule maintenant derrière. Il tombe en train de se mettre en sursion. Les femmes là-bas. Ah! Onction là. C'est comme ça, onction là maintenant.
ceux même qui tombent sur le sol en général, même comme ça, là, dans l'église, là, ils sont même dans le coup. Il leur a dit, tomber sur onction. Quand ça va se passer là, tomber sur onction. Et aussi tomber sur onction. Mes frères et sœurs, il existe des vrais hommes de Dieu. Mais le diable a envoyé de mauvais comme ça pour gâter le système, pour détruire le système, pour ne pas qu'on puisse croire aux vrais hommes de Dieu, pour étouffer l'affaire. Les vrais hommes de Dieu là, en général, ils sont hommes. Quand tu vas les voir là, quand tu vas venir chez eux là, la première chose à dire, quand tu vas le saluer, va dire bonjour mon fils, glorifions Dieu d'abord. À chaque fois qu'il va parler, demander à Dieu. Il ne va pas dire que c'est lui. Il n'a pas l'orgueil en lui. Mais aussi, il y a des faux hommes de Dieu hein, qui n'ont pas l'orgueil en eux. Ça veut dire que vous devez demander à Dieu de vous montrer qu'ils sont les vrais. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui courent après les hommes de Dieu. Tel homme de Dieu est plus puissant que tel autre homme de Dieu. Tel homme de Dieu est plus puissant que tel homme de Dieu. Si tu cours après ce genre de choses-là, tu seras perdu. Parce que si tu ne sais pas que l'homme qui est là, il n'a aucun pouvoir, que c'est Dieu qui l'aide, tu es perdu. Tu as des problèmes. Toi-même, tu ne cherches pas Jésus. Hein. Tu vas toujours devant l'homme de Dieu là. Prie pour moi. Tu penses que c'est l'homme de Dieu là qui a te donné la solution à ton problème? Tu penses que c'est l'homme de Dieu qui a donné la solution à ton problème? L'homme de Dieu même qui est devant toi là, si tu es tombé sur un faux là, peut-être même là, il se masturbe. Il va prendre sa main, c'est pour se masturber avant de venir là. Pour te poser si ta tête t'appelle la malédiction, prends ça. Ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est la vérité. Ça veut dire que vous-même là, vous devez premièrement chercher Dieu d'abord. Aujourd'hui là, pour ne pas se laisser tromper là, il faut soi-même avoir Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu es sûr que tu as Jésus-Christ, c'est que Dieu lui-même te parle en songe là. Là, tu peux dire, bon, pour comprendre quelque chose de la parole de Dieu, il faut que j'aille voir un divorcier. Mais il ne faut pas dire, mon homme de Dieu va me sauver. Dès que la personne a mal au pied net, homme de Dieu, on secoue les sorciers. Hey! Mais de quoi parles-tu, Nyansouban? De quoi parles-tu? Toi qui me regardes, tu sais clairement de quoi je parle. Tu sais clairement de quoi il s'agit. Toi qui me regardes, tu sais clairement de quoi il s'agit. Il ne faut pas me dire que tu n'es pas au courant. Il ne faut pas me dire que les pasteurs After Effects, là, tu ne les connais pas. Ils sont beaux. Ils ont de belles voitures. C'est pas homme de Dieu. Ce pasteur qui a fait ça là même là. Ce mec qui font ça là. En général, leur faux là. Ils sont riches. En général. Ils ont de belles voitures. Ils ont même des villas. Ils se parfument. Ils mangent bien. Ils vivent bien. Mais ce sont des faux. Pasteur after effect. De tels pasteurs là, s'ils sont sorciers, ils vont même pas hésiter à vendre l'âme de tous les fidèles. Tu veux celui, dès qu'il te pose la main, il prie pour toi, c'est fini pour toi. Il faut une forte prière pour te sortir de ces choses. Sinon, c'est pas possible. Toi-même, tu vas jamais t'imaginer que le problème qui t'arrive là, ça vient de ton pasteur. De ton pasteur after effect. Mon frère, ma soeur, ces choses sont réelles. Si quelqu'un ne vous a pas parlé de ces choses, vous allez dire non, on ne m'a rien dit, je ne suis pas au courant. Aujourd'hui là, tu es au courant. Il y a des faux qui existent. Les vrais là, ils ne sont pas nombreux. Si on met 1000 pasteurs devant vous là, et qu'on vous dit de choisir le vrai parmi eux là, vous allez tous faire faux. Personne ne va trouver. Je dis bien personne. Pourquoi? Parce que les yeux seront concentrés sur quoi? D'abord, l'apparence. Vous allez vous
contenter de regarder ceux qui sont riches, ceux qui ont l'argent, ou encore ceux qui sont bons, mais ceux qui sont habillés de façon simple comme nous là, vous n'allez pas les regarder. Ça sera difficile pour vous de regarder ça. Parce que vous allez dire, ah, oh, tu es pasteur, tu pries, mais tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de voitures comme l'autre pasteur qui est là-bas là. Qui t'a dit que quand on prie là, ça veut dire forcément avoir beaucoup de voitures? Qui t'a dit que quand on prie là, ça veut dire forcément avoir beaucoup de maisons? Qui t'a dit ça? Si Dieu t'a donné, Dieu merci. Si Dieu te donne le juste nécessaire, il faut dire même Dieu merci. Parce que quand on a beaucoup d'argent, cet égal aujourd'hui a beaucoup de péchés. Il faut demander à ceux qui ont l'argent ce qui se passe dans leur vie. Il faut leur demander. Demandez bien, il faut bien te renseigner. On ne vous dit pas de ne pas avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Même ceux qui regardent la vidéo là, il y a beaucoup de personnes qui se suffisent. Qui ont le moyen, qui ont même plus que les moyens. Mais ceux qui ont l'argent qui vient de Dieu là, qui sont de le Seigneur là. Mais c'est ce qui se passe avec eux. Ils vivent cachés. Quand ils doivent aider là, ils aident, mais dans le secret. On ne sait même pas. Ah! Voici quelque chose que j'ai vu. Un jour, ma mère devait prier. C'est-à-dire, on devait aller. Ma mère devait aller chez une soeur. Rendre visite à la soeur. Profitez de cette belle occasion là pour prier entre soeurs. Vous voyez pas de quoi il s'agit, non? Voilà. Souvent là, entre vous les soeurs là, allez prier entre vous, c'est important. Et la soeur dont on parle ici là, cette soeur là, quand vous la voyez là, elle est habillée en pagne, simple comme nous. Regardez, simple. Est-ce que quand vous me voyez là, vous pouvez imaginer que il y a 100 millions dans mon compte? Jamais! Est-ce que quand vous me voyez, vous pouvez imaginer d'où je viens? Jamais. Vous me dites que non, comme il a un casque comme ça, comme il a des barbes comme ça, comme il est comme si, vous jugez trop vite. Vous jugez trop vite. Vous jugez trop vite. Et c'est ce qui se passe. Quand j'ai vu la soeur, j'ai dit, oh, bon, comme je n'aime pas juger les gens, je n'ai pas considéré comme elle est habillée, comme elle est comme ça. Mais quand je suis arrivé chez elle, ce que j'ai vu là-bas, là, ça m'a amené à regarder un peu comment elle est habillée. Il dit, sa maison là, vous ne pouvez pas imaginer que c'est une femme qui a une telle maison. On donne tout. Et c'est vaste. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une seule personne se trouve dans une maison. Une seule personne. La maison est grande comme ça là-bas. Elle est seule dedans. Je regarde la maison. Je regarde la femme. Je regarde la maison. Et je regarde la femme. Il dit, mais waouh. Ça, ce sont les vrais chrétiens. Ils ne se montrent pas. Ils ne se montrent pas. C'est rare. C'est rare. Mais les pasteurs After Effects, ils font beaucoup de bruit. Ils aiment qu'on parle d'eux. Ils aiment qu'on les appelle révérends. Prophète, tu vois le point, lui seul il s'appelle révérend, honorable, prophète, bishop, il sait pas, lui seul. C'est ce que Dieu t'a demandé. Tu penses que si on appelait Jésus, le Seigneur Jésus-Christ révérend là, il serait mort. Tu penses que si on l'aimait tellement, il serait mort? Jamais. Ça veut dire les vrais hommes de Dieu là, en général, on les déteste. Ah oh, bon d'accord. En général là, on parle mal d'eux. C'est ça même. En général là, on le combat. Si tu n'as pas combattu, tu faut te poser la question si tu es un vrai homme de Dieu même. Parce que les vrais hommes de Dieu là, il faut qu'on parle d'eux. En mauvais. Même quand ils font des vidéos là, à partir des commentaires. Oh, tu es nul. Voilà. C'est ça même. Quand ils voient ça là, ils disent, je suis un vrai homme de Dieu. C'est maintenant qu'ils voient que je suis un vrai homme de Dieu. Ça veut dire, mes frères et sœurs, vous devez avoir l'esprit de discernement. Avant de poser tout, avant de prier pour dire, Dieu donne-moi, bénis-moi là. Prie d'abord, faut dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, purifie-moi et donne-moi l'esprit de discernement. Afin qu'elle puisse détecter qui est le bon, qui est le mauvais. Donne-moi ton intelligence. Afin de pouvoir détecter facilement distinction.
Celle-là, on va vous voir. Celle-là, on va vous voir. Tu cherches des problèmes, tu cherches des solutions. Les solutions se trouvent dans ta bouche et en toi. Invoque Jésus-Christ toi-même d'abord, avant de consulter un vrai homme de Dieu. Parce que si tu vas consulter un vrai homme de Dieu, sans consulter Dieu lui-même d'abord, tu vas tomber en sûrement sur des fous. Parce que des fous là, il y en a beaucoup. Les pasteurs After Effects, ils pleuvent. Ça, ce n'est que le début. Hein. Si on veut parler des pasteurs After Effects là, ou des fous là, on ne va pas quitter ici. Et pourquoi vous demandez-vous d'abonner au-dessus de cette vidéo, d'activer la cloche pour regarder la prochaine vidéo. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Pasteur After Effects. Pasteur After Effects. Oh non. Ce qui est mauvais, c'est que dans leur congrégation, il y a des vrais chrétiens qui cherchent réellement Jésus-Christ, mais ils sont perdus. Toi qui me regardes, tu cherches Jésus-Christ là. Aujourd'hui là, nous allons faire un travail. Je vais vous confier un travail. Voici votre mission aujourd'hui. Priez, dites à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, dis-moi si le mot homme de Dieu là, c'est un vrai homme de Dieu. Dis-moi si Nyon Scoubon là, c'est un vrai. Dis-moi si ce que se passe ici, si Nyon Scoubon, ça vient de toi. Ou c'est la vérité. Nous tous là, on va être testés aujourd'hui. On va se tester. Même vous-même que nous regardez là, qui allez prier aussi là. Aussi, on va vous tester pour voir. Parmi les abonnés là, qui sont les vrais, qui sont les faux. Parce qu'aujourd'hui là, le diable est partout. Et ils mettent des faux comme ça. Et ils sont déguisés en vrai pour tromper la vigilance du monde. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Car la prochaine vidéo va être excellente. Merci à tous ceux qui feront des dons. On dit, oh, on parle. En tout cas, on dit merci à tous ceux qui feront des dons là. Il y en a qui disent, oh, on parle d'argent. Hey, on parle d'argent. On dit, fais un don via. C'est mignon, ouvert via PayPal. Tu cries. Argent encore ici. C'est l'argent qui te fait peur. Pourquoi tu as peur de l'argent comme ça? Ou bien c'est donner là qui te fait peur? Ah! Est-ce qu'on te demande de donner seulement l'argent? Ouais, comme c'est pas, ouais, ça mieux, mais ça ne peut pas. On dit si! Si tu peux, si tu veux, tu peux. Et si tu veux, tu peux. Ah! Si tu ne donnes pas, comment tu vas recevoir, comment tu vas être béni. On a regardé tout ça, on a dit, la première personne a fait un don. Nous, on veut que les gens soient bénis. On sait que pour recevoir là, pour sortir de la pauvreté là, il faut donner. C'est une belle opportunité pour vous de donner, pour être béni. Ça là, tu dis, oh, c'est mauvais. Là où est ta bénédiction là, tu dis, c'est mauvais. Mais là où c'est faux là, il y a des passages After Effects là. Où on te dit autre chose là. Là, tu es prêt à donner. Quand le féticheur te dit, il t'impose même, hein, il y a besoin de 100 000 francs tout de suite, ou même de 100 euros, ou même de 100 dollars. Tu vas courir comme ça pour le donner. Mais quand tu viens à l'église, on dit, ah, on a besoin de telle somme pour construire telle chose, réparer, acheter cet appareil. Tu dis, encore l'argent. Encore l'argent. Oh, mes frères et sœurs. Attention. 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 Ah, tellement il y a des faux là. Aujourd'hui là, on a du mal à distinguer mes frères. Quelle est votre réaction? Il y a ici de la partie commentaire. Regardez le gars là. Regardez, où va-t-il? Lui, il est à la recherche des vrais. Hein? Donc nous tous allons aussi à la recherche des vrais. Parce qu'il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera sans doute intéressant. Let's go. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse.